Bourgogne et j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Mais bordel, ils se sont emparés de mon créneau. Mais que me reste-t-il? J'avais tant de facilité à parler de belles choses avec de vilains mots, à donner de l'éclat à des cœurs si alzés. Souvent démagogique et rarement spontanée, aujourd'hui la provoque et conceptualisée. Moi je balance mes mots comme une éjaculation précoce vers les quatre points cardinaux. C'est un vrai sacerdoce. Oui, c'est un sacerdoce. Mais bordel, ils se sont emparés de mon créneau. Mais que me reste-t-il? J'avais tant de facilité à parler de belles choses avec de vilains mots, à donner de l'éclat à des cœurs si alzés. Je n'ai pas le monopole du mauvais goût. Ma vie se perd dans le monde de Babylone. De la provocation, je ne suis pas le grand Manitou. En Babylone, c'est un bas petit monde. Y'a pas de protocole à suivre dans le cru. Mais quand cela devient tendance, a tendance à me trouer le cul. En Babylone, on regarde où va le monde. L'humour à 12 degrés, pas toujours implicite. Ma vie se perd dans le monde de Babylone. Mène à la surenchère mal pensée et gratuite. En Babylone, c'est un bas petit monde. Si le but est de susciter la controverse, cela constitue au final un fond de commerce. Je me réjouis de la liberté de ton merdure. Encore faut-il que sous la surface il y ait du fond, et que cette liberté n'occasionne pas de blessure, au risque de passer de la tranche d'idiot à con. Mais bordel, ils se sont emparés de mon créneau. Mais que me reste des tons de facilité à parler de belles choses avec de vilains mots, à donner de l'éclat à des cœurs si alzés. Mes bordels, ils se sont emparés de mon créneau. Mais que me reste-t-il? J'avais tant de facilité à parler de belles choses avec de vilains, à donner de l'éclat à des cœurs si alzés.